Bienvenue sur la chaîne de Studio Lucorna. On espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va faire le challenge un tag si j'étais. Donc, c'est parti. Alors, Luna, si tu étais un réseau social, Musical.ly. Pourquoi Musical.ly? Parce qu'en fait, j'adore ça, regarder les autres Musical.ly, j'adore faire des Musical.ly. Oui, t'adores surtout prendre le téléphone de maman et de faire des Musical.ly. Oui. Alors, si tu étais une youtubeuse ou un youtubeur, je serais Roxane et Luan. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont trop belles, j'aime bien les vidéos et en fait, j'aimerais bien être... D'accord, oui, elles sont super Roxane et Luan. Si jamais un jour elles passent par là, on leur fait des gros bisous. Voilà. Si tu étais un objet, Je serais un téléphone. Ok. Si tu étais une musique, La musique, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, c'est Sur ma route. Ah, la musique de Black M, Sur ma route, d'accord. Oui. Si tu étais un super pouvoir, ça serait de sauver les gens. C'est de refaire vivre les gens. D'accord, donc ressusciter les morts. Si tu étais une couleur, dis-le en français, ce sera plus facile. C'est quoi? C'est violet. D'accord. Si tu étais un plat, pizza. Un restaurant, Burger King. On se demande pourquoi. On y va tout le temps. Si tu étais une marque, je serais la marque Adidas. D'accord. Ensuite, si tu étais un film, Harry Potter. Pourquoi Harry Potter? Parce que j'aime bien Hermione, Ron, Harry. J'aime tous les personnages, mais parce qu'il y a de la magie. Ah oui, il y a beaucoup de magie. Moi aussi, depuis que je suis petite, j'adore Harry Potter. Et en plus, j'ai toute la collection presque. Oui, t'en manques quelques-uns. Oui. Manquerait plus qu'on achète les pop. Oui. Les pop Harry Potter. Voilà. Et si tu étais un acteur ou une actrice? Emma Watson. Ah, c'est Hermione dans Harry Potter, ça. Oui, comme tout à l'heure. Elle est tellement jolie. Oui, en plus, elle a une belle voix. Oui, elle est trop mignonne. Si tu étais un fruit, Luna? Je serais les fraises. Ah oui, les fraises, c'est tellement bon. Oui. Si tu étais un animal? Je serais tout simplement un cheval. Un cheval? Oh, les chevaux, c'est tellement beau. On l'a déjà fait. Les chevaux blancs, ils sont tellement beaux. Oui, les cheveux aussi. Les cheveux aussi sont beaux avec des taches blanches. Oui. J'en ai là des. Ah oui, dans tes Playmobil, ouais, elle adore les chevaux. Alors, si tu étais un légume, Je serais les petits pois avec de la crème fraîche. J'adore. Alors, si tu étais une boisson, je serais du coca. Si tu étais un sirop, de la grenadine. Si tu étais un smiley, je serais le smiley avec les yeux en cœur. D'accord. Si tu étais une odeur, je serais l'odeur des fleurs. L'odeur des fleurs, d'accord. Si tu étais un goût, cerise. Cerise. Si tu étais un parc d'attractions, ok. Tu étais un métier? Je serais le docteur. D'accord. Tu étais un pays? Les États-Unis. Si tu étais un dessert? Je serais un donut. Un donut. Si tu étais un bonbon? Je serais les bonbons. J'aime bien plein de bonbons alors. Je sais pas, des bonbons qui piquent. Des crémas, enfin. Des crémas ou tous les parfums. D'accord. Si tu étais un nombre, je serais le 1200.
1200. Pourquoi 1200? Bah, parce que j'aime bien dans les 1200. D'accord. Si tu étais un jour. D'accord, oui, la veille des vacances, quoi. Ouais. Enfin, la veille du week-end. Et les samedis, parce qu'on va toujours quelque part. D'accord. Si tu étais une saison. Pour les saisons. Je serais hiver. L'hiver. Si tu étais un mois. Février. Février ? Janvier plutôt. Non, janvier. Pourquoi janvier ? Pas parce qu'il y a mon anniversaire. Si tu étais une ville. Une ville, Paris. D'accord. Tu étais un jeu. Un jeu joué. Je serais des mobiles. Oui, ça m'aurait étonné. Si tu étais une console. Je serais la Wii U. La Wii U. Si tu étais un vêtement. Alors, un pull avec dessus quelqu'un qui. Non, juste un pull quoi. Mmh. Tu serais un pull. D'accord. Tu étais un personnage de Walt Disney. Boo. Ah, tu serais Boo dans Monstres et Compagnie, alors. Elle est tellement mignonne en plus. Je vais parler de son petit déguisement de grave. Je vais taguer Gaba et Lily, Sindel et Decibel, Mylène Aquarius, Cassimbo et Niesta et puis Riraven. Et donc voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, commenter et partager. I can't, I can't, I can't, I can't stay.